Et salut tout le monde, c'est Darkmaster. Avant que cette vidéo ne commence, je vous annonce que le son n'a pas été enregistré pour la petite vidéo que je l'introduction. Donc je suis désolé, ceci n'est pas grave. Je vais essayer de... Bon, on va laisser comme ça, mais je vais vous expliquer dans les prochains épisodes ce qui va se passer. Donc on se quitte là, c'était Darkmaster. Et salut tout le monde, c'est Darkmaster. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, car aujourd'hui, on se retrouve pour une annonce importante et une vidéo spéciale qui annonce que retour du fameux Let's Play Dofus. Ou Dofus, bon, ouais, on va dire Dofus, c'est plus simple. Car ce fameux Let's Play m'a donné envie de revenir sur cette chaîne et j'ai envie de vous partager mon aventure. Donc, on est parti pour la création du personnage. Donc là, on va voir un peu ce qu'on peut prendre. Genre, regardez, un héliotrope, non. Un steamer, non. Un zobal, non. Un roublard, non. Pandala, peut-être. Sacrieur. 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 Bon. On se prend un sacrieur? Ou on se plaint un yop. Faisons les choses simples. Prenons-nous le personnage que on peut tester. Le yop. On se prend le yop. Je vous présente aussi ce qu'est le ping-pong perco, parce que le ping-pong perco, des gens n'ont pas compris ce que c'est. C'est très simple. En fait, dans la guilde a inventé ce concept. Ce qui est en fait, ils font un ping-pong avec le perco, donc ils éliminent tous les joueurs et ils s'amusent à défoncer en poussant le perco, il défonce le perco en même temps, ce qu'il faut, ceci. Donc voilà. Alors, les couleurs du Yop, qu'est-ce qu'on se prend? Couleur peau, je pense que je vais le laisser comme ça. La tenue en dessous. Tenue en dessous. Noir. Noir et blanc. Les cheveux. Petit peu blanc. Couleur. On va faire ressortir ça par du rouge et ça par du noir. Ceci rend pas mal un beau yop comme ceci. Donc, est-ce qu'on peut tester Dark Master? Master. Sans truc. Non, bah non. Comme ça, alors, Dark Master sans majuscule, ce pseudo est déjà pris. Master Dark, alors. Master-Dark. Ah bah voilà. Donc là, on se retrouve pour la vidéo cinématique. Je vais expliquer, après cette petite cinématique qui va passer, je vais vous expliquer pourquoi je reprends le Let's Play. S'il veut bien se lancer. J'espère que vous aurez le son avec. Parce que si j'ai pas le son, je suis dans la merde. Allez, fais voir. Fais voir, s'il te plaît. Donc nous sommes partis, allez on est parti les amis. Donc on fait les choses de base comme vous avez vu sur le premier, s'il te plaît, le premier qui est Let's Play et qui a été un échec bien sûr. Mais là, avez-vous déjà vu quelque chose qui peut durer très longtemps? Très 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 longtemps. 200 de ce Let's Play, vous allez trouver la quête de l'Amalak. Et oui,
une quête qui dure plus d'un an. Enfin, un an, en tout cas. Dure un an. Mais avec les trucs qu'on va louper les jours et tout ça, cette quête va durer très 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 longtemps. Je vous l'assure, les gens. Elle va durer max longtemps. Car la quête de la manette prend un an à faire. Il faut être abonné et tout ça. Je suis abonné, bien sûr, sur le compte de Master Kyojin, comme vous le savez. Là où je fais mes petits achats avec les amis de la guilde. Comme ça. Je vais me prendre des kamas aussi, parce que... Voilà, on va prendre des kamas. Le métier qu'on va apprendre, c'est le métier cordonnier. Parce que ça va nous aider à la quête du Dofus Emerald. On va essayer de se faire toutes les quêtes aussi. Ce qui est vraiment colossal de se faire toutes les quêtes du truc. Toutes les quêtes d'Incarnam. Aussi. Vous savez que les quêtes d'Incarnam sont un peu compliquées. Et même... Non, pas compliquées, je veux dire. Ils sont assez faciles à faire et ça va très vite. Mais bon, on va rester beaucoup de temps à parler beaucoup de gens. Alors, je vous lis pas pendant ça. Ça, je vous le lis pas. Je vous le lis juste après parce que là, je vous le lis maintenant. Bienvenue sur Incarnam. Si tu cherches en savoir plus un peu sur la façon de progresser dans ce monde, je peux t'aider. Tu n'as rien contre un peu de lecture, apprends davantage. Les écrits sont une source de sagesse et de connaissances, mais ils sont aussi source d'aventure. L'aventure est à grand A. N'est-ce pas pour la vivre que tu se retrouves ici? Evané et Liken, les jeunes pousses et le vieil arbre, voient l'aventure de façon différente. Va donc discuter avec eux, et puis reviens me voir. Acceptez. Suivre sa voie. Donc vous allez voir que c'est... Ce let's play va être plus travaillé que le premier, le tout premier let's play. Hein? Si je fais un... Attendez, si... Mais là, je... Let's play V2. Voilà, car celle-là, c'est vraiment la version V2 que je vous fais, qui sera mise en ligne, bien sûr, l'heure que je vous pose. Elle sera bien sûr mise en ligne aujourd'hui, car nous sommes mercredi, mais je vais tourner d'autres vidéos qui vont être mises le samedi et le dimanche. Donc, tiens, encore un jeune âme, une en vadrouille sur une carnam. Lui demander ce qu'il fait ici. Je me repose à mes vieilles aventures. J'ai chassé les bouffetous, traqué les bouorques, traversé la mer d'As, surtout à la Moria, défié Darkmaval et... Ok, attendez. Ok, je voulais te dire que si tu as besoin d'aide pour passer donjon full succès ou autre, je suis dispo. Ok. Ok, donc demander si, ce que ces aventures lui ont apporté. Une fois, j'ai découvert un Dofus brillant de mille feux et en tréfonds d'un donjon. Oui, tu m'as bien entendu, un Dofus. L'un de ces talismans mythiques, source de bien des pouvoirs. Mes yeux ne pouvaient se détacher de cette vision de rêve. Pas maintenant. C'est grave si j'écris ça. Source de bien des pouvoirs, mais nanana, jusqu'à ce que des aventuriers le dérobent devant moi. J'ai raté l'occasion du siècle. Compartiment ma vie. C'est le destin néanmoins. Je suis tellement amusé en chercher un que je n'ai pas de regrets. Passer des jours et des nuits en quête de ce Dofus m'a donné l'occasion de rencontrer des créatures merveilleuses, de découvrir des contrées exotiques et de rencontrer de valeureux frères d'armes. Je te souhaite autant de plaisir à parcourir le monde des 12. Dieu. C'est une bonne retraite. Éveillé d'Ouest. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire, celle-là? Salut, toi aussi, tu viens pour l'aventure? Confirmé. Il y a plus d'aventuriers qui passent par Incarnam avant de se rendre dans les contrées d'Avakna. Précisez que vous allez là-bas aussi. En Avakna, tout est neuf et tout est sauvage. La gloire et la richesse sont la portée de plus téméraires et les plus vaillants. Je sais s'ils méritent des rangs du Mirand. Il l'a motivé en lui assurant que la fortune sourit aux adieux. Merci de tes conseils, tu as déjà l'air d'un vétéran. Je vais dormir un peu afin de rendre hommage à mon dieu Salida. Dis-le qu'il faut toujours se reposer après un effort
intellectuel, lui citer une bonne sieste et s'en aller. Alors là, je sais ce que je vais prendre déjà comme truc, panneau, et je vais voir à quel moment je vais le faire. Tu vas parler à Evene et Lycan. Éveillé et Lycan, pardon. Ils t'ont montré deux façons de constituer le monde des douze. Il y a bien d'autres. Je vais continuer. Prends cet ouvrage. Il contient les précieuses informations sur ton dieu. C'est pareil. Prends le livre. Niveau 4. Je possède d'autres recueils. Ouais, bah ça, on s'en fiche. Des Ophus sont les yeux de dragon. Ils ont des objets plus précieux dont l'inventivité puisse rêver. Les six grands Ophus du monde des douze étaient autrefois sur la garde d'entités sages et puissantes. Au fil du temps, ils ont été dispersés. Il ne tient qu'à toi de les retrouver. Donc ça, on arrête de lire. La recherche du Dofus. Le fameux texte que je n'ai toujours pas lu. Que je n'ai toujours pas lu façon claire. Que je n'ai toujours pas lu sur cette pierre. Ne sera pas lu, bien sûr, dans la version 2 du Let's Play. Il sera lu dans une autre vidéo. Donc, vous connaissez la chanson. Mettez sur pause. Et hop. Hop, on y retourne. Vous voyez que ce let's play va durer plus longtemps. Déjà un an, c'est énorme. Un let's play qui dure un an, est-ce que vous avez déjà vu ça? Un let's play qui fait toutes les quêtes, est-ce que vous avez déjà vu fait ça? Et un let's play d'Ophus, je sais que vous avez déjà vu. Me dites pas que je suis pareil que Link. Hop, hop. Parce que Link est un let's player d'Ophusien que je connais par que je connais. Mais bon, je fais pas pareil que lui, là. Je fais mon let's play à moi. Je vous fais découvrir mes facettes du jeu. Je vous fais découvrir ma passion de ce jeu. Car j'y joue depuis pas beaucoup de temps. Ça, je suis pas un grand joueur. Mais bon, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais j'ai pas... Comment expliquer ça? En fait, la chose simple, c'est que j'ai pas passé 3-4 ans à jouer à ce jeu. Ça fait 2 ans que je joue à ce jeu. Je connais des gens qui sont joués depuis que ça est créé. Je connais ça depuis longtemps. Donc c'est pas grave. Alors que je vous parle, nous sommes le 1er avril. Et dans le site, uniformement, demandez à prendre... Ouais. Ok. Ok, on prend ça. Lui, je le lis pas. Parce que... Il me casse un peu les oreilles. Hop. De Nîmes, on l'a fait. Merde. On va l'accepter la quête. Écoutez à toutes oreilles. Sortir un. Voilà. Suivre son conseil. Donc on est parti. On fait les petites quêtes. En même temps qu'on fait. On parle à lui. On fait accepter. Hop. Niveau 6. Partir livrer. La recette après. Hop, hop, hop. Alors, je vais essayer de vous faire des multijoueurs aussi, des multi. Et aller dans, bah, refaire une guilde pour les abos, mais pour l'instant, là, on va aller dans la guilde, qui est toujours la mienne, bah, qui n'est pas la mienne, mais que je suis dedans avec les cas que vous voyez presque tout le temps, hein. Bonjour, bienvenue, peut-être-il. Hop, c'était le travail de lui, parti plus de lui, on va le faire directement, vu que c'est la quête qui est directement mise. Ok, donc on apprendra le métier plus tard. Là, on va faire une petite quête. Une petite quête qui se trouve juste à côté. Que la quête tout le monde connaît, que je crois que je l'ai fait dans le précédent let's play, qui est la fameuse quête de... Tu sembles avoir un... C'est la quête où je dois défoncer un chef guerre bouffe. Tu sembles avoir un averti un avenir prometteur. Si tu arrives à vaincre le père de mon familier... Je suis prêt à te donner la clé menant dans mon nez du milieu. C'était en... Je te préviens, il te fera pas de cadeau. C'était d'affronter la bête. Donc, petite bête, j'arrive. Moi, je suis prêt. On se booste un peu. On a loupé le challenge, mais c'est pas grave. Qui vient ici, le petit. Vient ici, petit. Eh bien. Allez, viens. Hop, moins 37. Est-ce que je le finis? Eh oui, je le finis. Ça c'est fait. 3000 XP en plus. Niveau 7. On la parle. Niveau 9. Ok.
Ok, on va retourner mettre, voir Maître Yakazi. On va essayer de se faire des petits trucs après. De l'XP. Hop, hop. Hop, après on ira au chauffeur. Ça fait combien de temps? Ça fait 14 minutes. On ira au chauffeur juste après. J'essaie de faire une vidéo de 20 minutes. Donc voilà, ça dure déjà plus longtemps que ce premier let's du premier SP, que l'épisode 1 a duré. C'est minutes que je disais, il faut me dépêche, on se dépêche, on se dépêche, que je disais tout le temps ça. Mais là, je suis plus dispo, là, je travaille. Ouais, ça, je annonce que j'ai parlé à eux, les Nibs, ouais, c'est eux qui ont été toujours là. Suivre, faut aller mourir maintenant, les gens, on va crever. Hop. La troisième fois, enfin, les joueurs, hop, partir en vision de la deuxième fontaine. Niveau quête, une recette de crêpes, 4 seaux d'eau, en cas de combien, découvrir la carte de fontaine de jouance. On va découvrir la carte de fontaine de jouance. Donc, on est déjà parti, on y go. On y go. Je fais ces trois quêtes et je pense que je vais arrêter là et je vais vous expliquer. Après, on va se poser quelque part. Ben voilà les pseudos, il m'en faudrait 3, s'il te plaît. 4. Ah, bah là, c'est encore mieux. Alors, la fontaine de jouvence, elle se trouve. C'est en dessous. Elle se trouve en bas, la fontaine de jouvence. Ah, ça fait du bien, en fait, de reprendre ce fameux let's play. Il m'a manqué. Bon, ok. Là, je vais travailler plus. Pour gagner plus, hein. Ah, on se cache pas. On a décidé de prendre un yop. Ouais, j'aime bien les... Pourquoi j'ai pris un yop? Ah, ça frappe chez moi. Attendez, je mets en pause la vidéo. Et je reviens. Les gens, donc, ça s'appelle la vie, hein, des réels. Donc, le réel, bien sûr. Donc, c'était ma famille qui est venue. Quelle porte? Alors, on a trouvé la deuxième fontaine de jouvence. C'est fait. On va au-dessus. On va peut-être la quête du mec qui est au-dessus, là, qui est à poil. Un petit coquin qui est à poil. Écoutez la suite. Acceptez. On est parti. On y go, les gens. Ben, je crois que ce let's play va durer plus. Faudrait que j'arrête de me répéter. Et oui. Dites dans les commentaires ce que je peux faire aussi, hein. Ce serait intéressant que je partage avec vous tout ça. Et vu que la quête va durer, vu que ce SP va durer très très longtemps, et puis c'est le royaume d'ordinateur, fermez le dialogue. On te donne les seaux d'eau. Hop, donner les seaux d'eau demandés, approuver sa remarque, et aller voir le mec. Ouais. Donc, parler. Chercher à apprendre un métier, bûcheron, non, y a pas le métier que je veux. Y a pas le métier cordonnier. C'est pas grave, on le fera un peu plus tard, le métier cordonnier. Là, on part chez la petite vieille, qui est là-bas. Et après, on s'arrête ici. On s'arrête. Donc, on y va. On y va, on y va. Hop, niveau 10, tatatan. Niveau 13, tatatan. Pour l'instant, mes caractéristiques, je les laisse comme ça. Oui, bien sûr, je les ai. Donc, épée destructrice, bien sûr. Je sais pas si je fais un terre ou un feu. Je pense qu'on va le faire feu, les gens. Les gens, on va le faire feu. Oui, bien sûr qu'on le fait. Hop. Déjà, level 5 avec un peu d'air, ça fait plaisir. Et on augmente Vita 30. On ne fait que... Parce que level 29, on augmente Vita. On fait un mélange des deux. 30 à chaque fois, 50-50. Allez, 50-50, validé. Non, c'est pas agilité, c'est intelligence.
30. Hop. Comme ça, là, on est bien parti pour ce let's play. On va parler à la petite mamie. Hop, hop, hop. Voilà. Potage, là, faut aller voir encore. La petite personne que nous connaissons bien. Tiens, j'ai envie de tester l'attaque. Ça fait combien? Donc, c'est pas lui qui commence. On va se mettre un peu loin. On va reculer. Alors. On se rox. On se boost. On se booste. Et on va tester épée destructrice. Est-ce qu'elle va le terminer en un coup? Et oui, épée destructrice le termine en un coup. Ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Et est-ce qu'on va passer? Non, on va pas passer. Non, on dit. Hop, fermer le dialogue. Maintenant. Maintenant, on fait un petit peu les quêtes. Des petites quêtes et on aura fini ça. Faut parler à lui. Hop, je parle à lui. Annoncer que j'ai découvert toutes les fontaines de mon sang. Et attendre. On lui parle. On fait des... Merde. Désolé. Désolé. Ouais. Non, voilà. Et les premières rames, et qu'il faut défoncer un jeune bouffeton noir. Donc, il est juste là. Il sent le boule, s'il me fait du moins. Je sais pas, il me l'affiche pas. Hop, hop. Niveau 14. Merci de ces encouragements. Mais on part bien là les amis. Donc on va attendre 10 sorts. Donc on augmente niveau 3 épée destructrice. Épée divine, pardon. Donc on va se quitter là les amis. Hein. On va zoomer un peu sur nous. C'était Dark Master. Et on va se retrouver dans deux prochaines vidéos. Qui sera lieu bien sûr sur le let's play. La prochaine vidéo que vous verrez sera sur le let's play qui est de retour. Donc, on se dit à plus les gens, c'était Dark Master.